Voilà, c'est parti donc pour cette troisième épreuve. Up to three a marqué un temps d'arrêt encore une fois au départ. Pour l'instant, eh bien, King Fahim est très sollicité, mais Seven Eyes pour l'instant semble plus facile à l'avant devant King Fahim. Eskimo Roll est troisième, Bobby Bear quatrième. Ensuite, on retrouve Key of Gold, Moon Raider, Made of Money, alors que Up to three est déjà battu. Chevaux passent au tombeau Malartic, 1000 mètres à parcourir. King Fahim, donc, imprime toujours le train sous la montre de Pritam Debi. Seven Eyes est en deuxième position. Eskimo Roll est troisième. Bobby Bear, quatrième. Key of Gold, tout juste derrière, qui est rejoint par Moon Raider. Made of Money ferme la marche alors que Up to Three est toujours dans les poussières. À 600 mètres du poteau, King Fahim ouvre toujours la voie devant Seven Eyes. Eskimo Roll est troisième et il rejoint par Moon Raider. Bobby Bear attend sagement son heure alors que Key of Gold a déboîté. Made of Money toujours en queue du peloton alors que Eskimo Roll est lancé par Robbie Burke. Moon Raider et Seven Eyes également ont déboîté. Key of Gold continue sa progression quelque peu en embuscade. Bobby Bear en plein lit droit de finale avec Eskimo Roll qui est lancé maintenant par Robbie Burke. Il en veut pour cette première 2012. Bobby Bear voit le jour le long du rail. Eskimo Roll, Bobby Bear, Key of Gold à l'extérieur, mais Eskimo Roll a toujours l'avantage. Eskimo Roll va tenir jusqu'au bout. Ça veut dire Bobby Bear termine de plus en plus fort. Bobby Bear devant Eskimo Roll. On va afficher photo. On va afficher photo alors qu'on pensait que Eskimo Roll allait aller jusqu'au bout. Eh bien, Bobby Bear dans un sursaut d'orgueil est revenu tel un boulet de canon au long du rail. À la photographie donc. Le temps de vérifier tout cela. Quelle arrive